Salut à toutes et à tous. Je me suis mis sur un nouvel avion dans DCS qui est le F-16. Alors, il n'est pas nouveau, c'est sûr, mais c'est le dernier module que j'ai acquis. Donc, je suis toujours en train de l'apprendre. Et là, je vais vous présenter une petite mission dans une campagne qui est disponible en téléchargement sur le site de DCS, qui est la campagne Balkan Wars, qui s'inspire simplement des événements de 95 en Bosnie. Et qui se déroule, là, notamment mes missions, ce sont des frappes en particulier autour de Sarajevo. Alors évidemment, il n'y a pas la Yougoslavie hein, dans DCS, mais on utilise la carte du Caucase qui sert voilà, à nous simuler la région et on décolle de base fictive d'Aviano, donc c'est pas Aviano, hein, c'est des bases du Caucase qu'on utilise pour ça. Alors tout se passe. Allumé, c'est-à-dire quand on démarre là, on est allumé. Là, j'attends pour le moment d'avoir le message qui me dit que je peux contacter la tour puisque toutes les actions de communication sont contextuelles et scriptées, c'est-à-dire qu'on ne contacte pas par le menu classique. Donc, faut que j'attende l'invite. Mon avion est démarré, mais le F-16 démarré, il faut quand même mettre en route les contre-mesures, choisir le programme manuel. Je sais qu'il va falloir que je vais utiliser mon laser, je l'arme tout de suite parce que sinon je l'oublie. J'ai le pod laser, donc on va alimenter les points d'emport qui vont bien. Je sais qu'il n'y en a qu'un des deux hein, qu'il faut allumer. J'allume toujours les deux, ça évite de me poser la question de quel côté est le pod. Le pod normalement est à gauche, donc c'est celui-là. Actuellement, on peut rien emporter côté droit. Mais j'allume les deux. Et j'attends donc patiemment mon autorisation de démarrer dans mon beau petit F-16. Ah, désolé pour le coup de zoom. Des fois c'est un peu longuet, notamment j'ai vu qu'il y avait un vol avant nous qui venait de passer, donc il va falloir attendre bah, qu'il décolle pour pouvoir partir. Là je suis sur une mission où les forces de l'OTAN vont se heurter à des blindés adverses, et donc il faut que j'intervienne avec mes alliés pour soutenir l'avancée des forces de l'OTAN. On a passé quelques missions déjà à bombarder les positions de l'artillerie autour de Sarajevo. Et donc là, on passe à un push. Voilà, je vous ai dit F10 pour demander le taxi. Donc je suis bien sur la fréquence là de la tour qui est sélectionnée par défaut. Donc je sors, hop, je vais choisir le menu F10 et je request le taxi. Aviano Tower, Uzi 81 request taxi. Uzi Tower, clear to taxi runway 24. Taxi 24, Uzi flight. On est bien à Viano, ça parle italien. Et on va avancer vers la piste 24. Donc là, armement standard, hein. 2 GBU-12 de chaque côté, sous chaque aile, et 3 bidons de carburant, plus qu'il n'en faut à chaque fois dans les missions. Il n'y a pas de ravitaillement en vol, c'est accessible. Et vous avez vraiment plus de carburant qu'il vous en faut. Les objectifs également sont scriptés, hein. Il faut atteindre les objectifs qu'on vous demande. The first stage of Operation Maestral 2 is the plan to overcome BRS defenses extending across the southern approaches to Sipovo and Jajce. We are flying in support of the 4th and 7th Guards Brigades as they advance. BRS tank battalions have been spotted and are being engaged by NATO brigades. We are to support the NATO advance and strike BRS tanks steer point 2. Donc voilà le briefing hein, qui vous est recommuniqué à l'oral. On va stationner là. Normalement, est-ce que je devrais demander l'autorisation d'aller sur la piste ou pas? Ça dépend des missions. Des fois, il y a un nouveau F10 contextuel qui spawn, où il faut demander l'autorisation, mais pas dans toutes les missions. Alors là, je me décale comme ça parce que normalement en fait dans la vraie vie, comme il y a des avions qui doivent se parquer derrière vous, il faut pas leur mettre le flux du réacteur en pleine poire, donc normalement on se décale légèrement. Bon là il semblerait que je n'ai pas d'autres autorisations à demander. Alors la campagne, je crois qu'elle comporte 12 missions, 11 ou 12. Je suis à la mission 8, c'est principalement donc de l'attaque au sol. Hein, et elle est plutôt sympa, les missions sont basiques,
On a des éléments, des discussions, des coms radio contextualisés, en anglais, souvent non sous-titrés. Il y a très peu de coms radio. Toutes les communications se font donc via le menu F10 avec la WAX, avec la tour, etc. Et on s'est plutôt bien ficelé, mais j'ai quand même été obligé, malgré que j'avais rempli les objectifs quelquefois, d'aller gratter dans le logbook pour faire passer la mission suivante. Voilà, il y a quelques petits déclenchements, validations de conditions de mission qui marchent pas toujours top. Bon, dans l'ensemble, la campagne est quand même assez sympa, et surtout, comme moi, quand on découvre le F-16, elle permet de le prendre en main assez tranquillement, parce qu'elle n'est pas très très compliquée au final. Donc bon, visiblement, j'ai pas besoin d'autorisation pour aller sur la piste, alors on va y aller. Moi, j'ai attendu que mes petits copains me rejoignent, ça évitera que je m'éloigne trop et qu'ils consomment du carburant pour regrouper avec moi. Donc on va s'aligner. On est aligné, on coupe le nose wheel steering et on va essayer de décoller proprement. Moi qui suis plutôt habitué au F-18 et au F-14 à partir de porte-avions, je peux vous dire que rouler droit au sol, c'est quelque chose chez moi qui est compliqué. Et c'est parti. On coupe toujours le nose wheel steering au roulage comme ça en accélération sur la piste parce qu'on a quand même assez d'appui aérodynamique sur la gouverne pour pouvoir corriger la direction. Et puis sinon avec le nose wheel steering, en fait ça part en fait de c'est ingérable, c'est incontrôlable. Hop, airborne, l'avion monte, on rentre le train. On va continuer 10 degrés, pleine PC jusqu'à 350 nœuds. On a les 350 nœuds, on baisse le nez, on réduit. Je laisse à plus 5, et là, en bon leader, je fais mon feignant, je bloque l'attitude pour rester à plus 5, et j'enclenche le PA pour suivre les waypoints. C'est là que c'est assez sympa avec le F-16, ce mode de pilote auto, c'est il va suivre le plan de vol gentiment, comme un grand. Je sais que normalement ça se fait pas comme ça, mais je passe le Master Arm tout de suite parce que sinon je suis capable de survoler 5 fois ma cible sans larguer de bombe en me demandant ce qui se passe. Alors le F-16 est quand même très incomplet aujourd'hui, très très incomplet. Surtout pour avoir volé sur Falcon 4 il y a longtemps, je parle même pas des dernières versions de BMS, moi j'ai lâché Falcon 4 il y a plus de 10 ans, et déjà le F-16 il y a plus de 10 ans était plus complet que le F-16 qu'on a là. Par contre c'est un avion qui est sympa à retrouver parce qu'il accélère fort. Je le trouve pas si agile que ça dans DCS. Je trouve que par exemple en combat tournoyant j'ai beaucoup plus de mal à battre un MiG-29 que quand je suis en F-18 ou même en F-14. Le F-16 est vraiment très guidé, il est sur des rails, très peu d'autorité au nez, les commandes de vol vous bloquent beaucoup de choses, bien que vous puissiez tirer 9G. Par rapport à un F-18 qui peut pointer son nez comme il veut, et même le F-14, on peut... Le F-14 il prévient, il tremble quand il dit qu'il est à la limite, mais vous pouvez quand même mettre un bon coup de manche et pointer le nez brièvement. Le F-16 c'est niette, hein. Il veut pas faire ça. Mais c'est un avion quand même que... En pilotage, j'ai tendance à préférer le F-18, parce que le F-18, je trouve qu'il avance pas. Il accélère vraiment pas bien, et le F-16, c'est autre chose, hein. ça pousse méchamment. Alors là, il y a un truc que j'ai pas fait, que je devrais faire, c'est que je suis en configuration bombardier, donc je devrais me mettre en 4-3. Voilà, pour empêcher de faire des manœuvres qui seraient susceptibles d'endommager l'avion. Alors quand on le passe en 4-3, le F-16, ça devient une charrue, par contre. Voilà, comme je vous disais, toutes les communications sont scriptées. Donc là, contact image, c'est la WAX. Donc hop, on va passer sur le menu des coms, UHF.
on sélectionne le canal 2, entrée, et on va aller se présenter à la WAX. Image, Uzi 81 with you, climbing 260. Uzi 81, image, hold you 10 miles southeast of Sochi. Climb, maintain 260 and switch line 57. Image, Uzi, climbing 260 and switching line 57. Alors voilà, on s'est lancé à la WAX, on n'est pas sur une mission RR, donc là il nous demande la WAX de quitter sa fréquence et d'aller sur la fréquence du strike. Donc hop, on revient à COM ici, on sélectionne 3, entrée. Donc j'ai l'UHF qui est ma COM, qui me permet de parler en channel 1 à la tour, en channel 2 à la WAX, en channel 3 au strike, et la VHF c'est mon flight. Donc là je dois monter à 26 000 pieds. Ah bah j'ai pas allumé mes lumières. Ça c'est pas très bien, c'est pas très très bien pour un leader. Alors les lumières sur le F16, ça se passe là, on met ici en normal, je suis leader, je reste en 1. Alors, on va pas mettre trop brillant, je mets sur dim. Et en flash. Et on est bon. Et là, on voit les petites loupiottes qui clignotent. Il y a quand même pas mal de détails. Hein. C'est très très sympa. Ah, j'essaye de me mettre à niveau sur le F-16. À terme, il y aura autant de capacité que le Hornet, mais on est... Le Hornet arrive qu'en fin de développement là, et ça fait combien d'années qu'il est sorti, je ne sais même plus. Donc le F-16, on espère que ça ira un peu plus vite. Et après, j'avoue que les porte-avions me manquent en F-16 quand même. En fait, mon problème, c'est que j'aimerais un mix entre le F-16 et le Hornet. Qui pousse un Hornet, qui pousse comme un F-16, et je serais ravi, quoi. Et avec l'intégration des commandes, j'ai eu beaucoup de mal venant du Hornet où tout se clique à l'écran, où dans le F-16 on a le DMS, le TMS à gérer, donc qui sont des pressions sur des hâtes pour en fait faire les commandes sans lâcher les manettes. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre, c'est pas très clair au début puisqu'une position de hâte va vous faire plusieurs commandes. Donc au début vous comprenez rien, c'est quoi TMS haut, bas, ballon, voilà. C'est un véritable bordel à se rentrer dans la tête. Puis petit à petit en pratiquant, il y a une certaine logique qui se dégage et puis au final, c'est pas si vilain que ça. C'est mes autres appareils du package qui sont en train de dégager la voie. Flight est là. Formation assez relâchée en combat. Parce que même si c'est beau des fois quand on vole en escadrille entre amis de faire de la formation serrée, au final, en pratique, en combat, on met de la distance. Et on met de la distance tout simplement pour une chose toute bête, hein. C'est pour pouvoir travailler dans le cockpit, hein, sans avoir des corrections importantes à faire. Parce que quand vous baissez le nez pour travailler dans le cockpit, c'est compliqué
à garder la formation. Et encore, bah, sur le F-16, pour Hornet, il y a très peu de travail dans le cockpit. Stabilise altitude. Oh, il y a quoi sur zone? On a des tornados. Plein de hornets. Ah, il y a un Hornet qui... Bah, deux Hornets en moins. Boum boum. La DCA vient de se régaler. Alors normalement on a des Hornets canadiens, des Hornets espagnols... et de la Navy évidemment. Des tornados. Ils sont seed aussi, les tornados. Qu'est-ce qu'ils emmènent? Ils sont seed, mais ils emmènent pas d'alarme. Oh si, il y a un bug. Les GBU sont montés à travers l'alarme. Je sais pas si ça va marcher, ça. Est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va péter quand il va tirer? On sait pas trop, mais sympa ce bug. Très sympa. Je sais pas comment le concepteur de la mission a pu charger ça. Et on est où? On est hop, en fin de package. Plutôt de cible. Elle est là. C'est des chars ici qu'on va chercher à taper. Allez, on retourne au cockpit. On est en train de passer le waypoint 1. On bascule sur le 2. Et je vais demander tout de suite. On est à combien du 2? On est à 4 minutes. Je vais demander tout de suite à mes ailiers d'aller faire le job. Ils y vont. Allez, on se met en mode AG. Profil 2 pour les GBU 12, le CCRP. Ici on a le TGP et moi j'aime bien rebasculer sur le HSD. Voilà, on passe le TGP en sensor off interest. Moi j'aime bien oui, remettre le HSD de l'autre côté. Ah, les chars adverses là, ça ressemble, c'est trop rond pour être un char autant. Ça ressemble à des T-72 ou T-80, ou T ce que vous voulez. Ouais. Pardon, ça c'est le tracker qui saute. Oui, on est clairement sur du char d'origine soviétique, donc on est bon. Et mes alliés ils font le taf, ils sont partis, mais ce qu'il y a c'est que je les ai pas entendu dire qu'ils engageaient, donc ça me fait toujours bizarre. On va leur redire quand même dans le doute. Hein. Voilà,
Bah, je vais un peu le pied sur les gaz, ça sert à rien d'aller aussi vite. Il y a un paquet de blindés. Alors là, le gag, c'est que c'est va être, quand on va tirer, bah, il risque, comme on peut pas se coordonner avec les alliés IA, ça risque de tirer plusieurs fois sur les mêmes éléments au sol. Alors contrairement au F-18, on peut pas avoir sur la sur le HSD, donc c'est la SA sur le F-18, les cibles au sol qui sont traquées par nos alliés. On peut avoir que les cibles RR. Donc bah, on va faire sans. Je suis en tête a priori, donc je devrais être largué le premier. Et oui, c'est bien du char soviétique ça. Je suis en TV, je repasse White Hot, Black Hot, TV, on identifie ça bien comme un char d'origine russe. 56 secondes avant largage. Max 08, c'est pas mal. Je vais beaucoup plus vite que mes alliés qui a priori sont loin derrière, tant mieux, ça m'arrange. Allez, 15 secondes. 10, on commence à appuyer sur le bouton de largage, la bombe va partir automatiquement quand la ligne aura croisé l'indicateur de vol. Hop, bombe partie. Laser on. Ouais, la bombe n'est plus là. On dézoome. 30 secondes avant impact. Boum, T-55 détruit. On relâche la détente pour relâcher le laser. Et on va se remettre en vol horizontal. Alors là, j'ai largué une bombe, normalement, dans la vraie vie, le F-16 devrait compenser. Et là, il veut pas compenser. Je vais pas mettre du trim, parce que normalement, sur le F-16, le trim ne s'utilise pas comme ça. Donc on va compenser aux manches, en attendant de larguer de l'autre côté. Donc là, à la différence du Hornet, j'aurais dû caler le pod, parce que là, comme je perds la visu, quand je vais revenir sur ma cible, le pod aura bougé. Alors que sur le Hornet, il reste bien fixé sur la zone cible. Donc normalement, on fait ça avec un TMS bas. Mais là, je m'en moque, je réinitialiserai au pire la recherche sur le Waypoint 2.
trouve le TGP aussi beaucoup plus précis sur le Hornet. Sur le Hornet, on peut vraiment cibler ce qu'on veut. Là, j'ai du mal à le déplacer pile poil. Loin quand même dans mon virage parce que je suis à une minute de largage. On va dire que c'était un beau cercle. On peut optimiser ça. Moi j'ai le temps de recaler ma visée. Je sais pas si mes copains ils attaquent, j'ai pas l'impression qu'ils foutent grand chose. Ils font quoi? Ils ont toujours leur... Ils ont leur bombe, je sais pas ce qu'ils foutent. Ça c'est un problème aussi dans les missions quand l'IA fait pas son taf. Allez, 10 secondes avant largage, on presse le bouton de tir. Hop, bombe partie. Le virage gauche. Azeron. 34 secondes avant impact. Et deuxième char détruit. On relâche le laser. Là je vais faire le TMS bas pour caler le pod. Voilà. Ici. Ce qui fait que même si je perds de vue la cible, voilà là, le pod ne dérive plus. Il est fixé sur ses coordonnées. Et par contre j'aimerais bien savoir ce que foutent mes ailiers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils me suivent comme des couillonneaux. Ils me disent affirme, mais ils s'en foutent pas une. Je pense pas que j'ai assez de bombes pour faire la mission tout seul. On est où sur la map? On est là. Je sais pas ce qu'ils foutent. Pendant ce temps-là, j'ai l'avion qui part en sucette. Forcément, merci les gars. Oh là, le pilote auto, oh là, bijou. Ah,
font demi-tour, est-ce qu'ils vont engager quelque chose? Sinon, on va essayer de leur dire Target of Opportunity, mais... Hop, nouvelle cible. Ah, ça s'est passé quelque chose. Pas déjà dit ça tout à l'heure. Ouais, 5 secondes du largage. Bon, me larguer. Laser on. On maintient la détente pour que le laser reste allumé. Secondes avant impact. Cinq. Boom. Un troisième T-55 de moins. Laser off. Ce qui reste, hein. Ah, ça y est, il commence quand même à se décider à larguer des trucs, à tirer sur des trucs. Parce que moi, il me reste plus qu'une bombe. Hein. Alors d'ailleurs, je préfère emporter, c'est bien le créateur de mission met des GBU-12 sur cet emploi. Effectivement, on peut emporter deux GBU-12 sur le F-16. Par contre, le triple emport de Maverick, définitivement, non, ne le prenez pas. C'est de la merde, c'est de la connerie, ça n'existe pas. Les pylônes triples ne permettent pas la conduite de la voie optique. Ils n'ont pas de voie optique, donc on ne peut pas charger en pylône triple les Maverick. Outre le fait qu'un Maverick, ça pèse plus lourd qu'une GBU-12, 3 Mavericks sur un même pylône, donc vous dire que mécaniquement l'effort il est ingérable pour le F-16. Alors, en convoyage, c'est faisable en convoyage, mais pas en combat. Et surtout en fait, en réalité, si vous tirez 3 Mavericks sur ce genre de pylône, en admettant que vous puissiez avoir le guidage, ce qui n'est pas le cas, vous crameriez les têtes des Mavericks qui sont montés à côté. Et voire même vous risqueriez d'endommager l'avion. Donc non, les Mavericks ne s'emportent que par un. Et uniquement sur ce pylône-là. Donc même si Eagle Dynamics a cédé à certains kékés, n'emportez jamais les Mavericks en triple.
la Toto, faut pas trop le brusquer en virage. Et surtout pas en pas différence du 18, si vous mettez des actions verticales comme j'ai fait tout à l'heure involontairement, il va vous ramener à l'altitude sur laquelle vous l'avez verrouillé. Là où celui du Hornet, sur un fort appui vertical, il va se désactiver en fait. Je compare souvent les deux avions parce que j'ai commencé par le Hornet. Enfin, dans DCS, si on veut être exact, j'ai commencé, j'ai acheté le premier A10, je me suis très peu servi. J'ai pu jouer après et en fait, je suis revenu par le F-14. Après F-14, F-18, F-16, Mirage 2000. D'ailleurs, la première vidéo sur la chaîne que vous aviez eue, c'était sur le F-14. Qui était plus une vidéo en mode « Allez-y, c'est cool », parce qu'à l'époque, je connaissais vraiment rien, donc j'étais pas du tout là pour vous dire, faire des tutos ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il reste quelque chose de vivant? Pas sur quoi il tape parce que moi je vois plus rien de vivant. Qu'est-ce que vous bombardez les gars? C'est un bâtiment. Alors là maintenant je suis trop près, je vois plus rien. Compliqué quand on est au-dessus, le pod permet pas de voir. Ah, par contre on n'a pas le message de mission accomplie et ça m'embête toujours un peu parce que je vois plus rien à taper. Ah, c'est ça qu'il y a des contre-l'avion aussi, si j'avais toujours le steering select, c'est-à-dire qu'il essayait de suivre le plan de vol, c'est pour ça qu'il tournait aussi tout seul. Il n'y avait pas que le déséquilibre des bombes, il y avait aussi ça. Alors que fausse manœuvre, comme quoi, j'apprends toujours l'avion, c'est que j'avais pas remis en attitude hold. Oui, c'est pour ça que je me battais avec l'avion depuis tout à l'heure. Ah, je vous dis, le F-16, c'est mon dernier module. Je maîtrise, je suis loin de tout maîtriser. Parce qu'en fait, ce mode de pilote automatique, quand on est ici, tout est coupé off, ça c'est le main mode. Altitude hold, c'est là, il va me tenir l'altitude. Attitude hold, celui-là, c'est-à-dire que si je mets l'avion à plus 5 degrés, il va me maintenir à plus 5 degrés. Donc ça, c'est répétiteur attitude hold, c'est-à-dire que il garde l'instruction de ce pilote automatique là et les autres bah, c'est pour suivre le plan de vol ou suivre un cap sélectionné. Donc moi je n'avais pas désactivé la suivi du plan de vol.
Alors, je crois que mes petits copains ont tout tiré. Alors, oui, t'as tout tiré, et t'as tout tiré. Et le problème, c'est que j'ai pas la fin de mission et qu'il me reste une bombe. Et j'ai peur du trigger pété là. J'ai très peur du trigger pété. Oula, il reste un char planqué quelque part quoi. Traquière qui saute, désolé. Pas où il peut être ce blindé hein. Oula, j'ai l'avion qui part en sucette. Thank you.
Putain, je sais pas où il est. Est-ce que la patrouille pourrait au moins me le taper au canon, que je puisse le trouver? Ah, j'avais pas regardé de ce côté du champ, et oui, on dirait qu'il y a quelque chose là. Oui, te voilà. Eh oui, il y avait deux, ils étaient dans deux champs. Et alors, en manœuvrant large comme ça, ça m'a permis de voir qu'il y avait un deuxième champ. Top. Pas trop et on va éviter. Plus besoin d'eux. On va éviter qu'ils tombent en panne parce que des fois je sais pas comment ils gèrent, ils tombent en panne de carburant quand nous on en a plein. Hop, je vais me remettre en maintien d'altitude et on va s'aligner sur cette cible. En espérant que ça suffise à finir la mission.
enfin mission accomplie, c'était bien le dernier char qu'il fallait dégommer, on rentre à la maison, direction Aviano. C'était tendu parce que au final ça veut dire qu'on avait juste le nombre de bombes qu'il fallait pour finir la mission. Donc c'est quand même un peu raide, faut pas se rater, une bombe à côté c'est fini. Et surtout alors, dans la campagne, quand vous ratez une mission, vous recommencez à celle d'avant, vous avez intérêt à faire revoler tout de suite pour la réessayer, parce que si vous validez, vous recommencez à la mission d'avant. Donc il faut refaire la mission d'avant pour revenir à la mission en cours. Donc c'est un principe dont je suis pas hyper fan d'ailleurs, ça. Bon, alors on va mettre un petit peu plus de gaz, rentrer un peu plus vite. Alors, sans passer la PC. Voilà, le reflet est brutal, hein, pour regarder le régime. Bon, on voit qu'on passe la PC évidemment au fuel flow qui se met à faire un bond en avant, voilà, boum, là il y a la PC qui est passée, si vous n'avez pas de cran sur votre manette des gaz. Et hop là, le fuel flow revient à ça, c'est qu'il n'y a plus de PC. Et puis bah donc, bah, rendez-vous dans 8 minutes, hein, parce que le vol retour va être calme. Désactiver les PA et on va commencer à descendre. Là on nous demande de push Aviano, donc on retourne dans la com 1, on resectionne le canal 1. Aviano Tower, Uzi flight inbound. Uzi Tower, Roger, continue inbound. Reporto Red on the break. Uzi, Wilco. Alors le gag ici, c'est que toute la campagne nous demande, on décolle de la 24, et de nous poser donc logiquement sur la 24, dans le même sens. Sauf que, sur la piste qui est utilisée, donc pour faire Aviano, qui est la piste de Sochi, l'ILS déjà, il n'est pas sur la 24. Il est sur la 06. Et donc, tous les vols IA, absolument tous les vols IA, se posent sur la 06 et pas sur la 24. Cette piste-là, évitez-la, elle est trop courte. Freiner aérodynamiquement le F16 dessus, c'est très compliqué. Donc, il faut prendre la piste longue. Et moi, je n'approche pas par la 24, parce que du coup, en fait, vous risquez d'avoir quelqu'un en frontal avec vous. Là, ça va, il n'y a personne devant. Et moi, dans le doute, au cas où, il y a quelqu'un, un vol qui arrive, derrière, il y a des F-16 d'action derrière moi. C'est mon vol, d'ailleurs, de F-16, à qui j'ai dit Artibi et je les ai dépassés. J'ai pas la moindre envie de me les prendre dans la bouche. Donc, du coup, si on règle l'ILS, on va lui dire qu'on est sur un canal 111.10 entrée et que le gap de la piste est 62 exactement entrée. Hop. Ensuite on choisit nav ILS dans les modes et on va bien longer la 24, mais on va tourner et revenir se présenter par la mer. Alors c'est pareil, mes approches ne sont pas encore très propres en F-16, hein, vous moquez pas. Je maîtrise mal les altitudes de circuit, je me suis beaucoup habitué aux altitudes de circuit en Hornet. Donc qu'à 800 pieds quand on se présente dans l'axe du porte-avions, virage 600 pieds vent arrière, dernier virage à 140 nœuds. C'est pas du tout la même en F-16, on approche à 140, on a l'alarme de décrochage, il faut arriver beaucoup plus vite. Donc mes approches terrestres sont encore dégueulasses, et j'en suis désolé. Tout comme le freinage aérodynamique, d'ailleurs, c'est-à-dire le maintenir l'avion cabré, c'est pas la joie. Le F-16, c'est pareil, attend à vouloir accélérer très fort, donc faut
Il vire pas aussi bien que le Hornet dans ses derniers virages, en plus vu qu'il se présente plus vite. Donc généralement, quand je vire, je suis pas du tout aligné avec la piste. Et je vous le dis, c'est dégueulasse. Ça va être dégueulasse. Donc là, je laisse la piste sur ma gauche. Je vais me descendre plus bas que 2000 pieds. Hein. Parce que là, je devrais être à 2000 pieds si je faisais le circuit. 2000 pieds là, je tourne, je suis à 1200 pieds en vente arrière. Et je reviens me présenter sur la 24. Mais là, je vais pas faire ça. Si je vais me présenter sur la 06. Donc du coup, il faut que je descende là pour pouvoir tourner et me présenter. Les 300 nœuds, on sort le train. Ah, je vous ai dit qu'on approche, elle est dégueulasse. Hein. Je sors du virage, je suis pas du tout aligné. Complètement hors du plan de l'ILS. Et là, on garde cabré, pardon, le train qui est encore qui a déconné, on garde cabré l'avion jusqu'à ce qu'il n'en veuille plus, on garde les gouvernes vers le haut. On va relâcher les gouvernes. On met le frein, les wheel steering, on freine un grand coup et on va quitter la piste. Et boum, comme souvent en F16, voilà, on racle un peu, j'ai voulu tourner trop vite. Donc là vous avez l'atterrissage donc à ne pas faire. L'atterrissage en F16 c'est toujours pas ça. Allez, on va continuer à taxier et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.